Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Metal Gear Solid 5 sur PS4. On attaque le Mamba blanc. Capture the White Mamba, the child soldier's commander, and bring him back to Mother Base. First off, head for Bwala Yamasa. Ok, on est parti avec Quiet. Alors, Soso, c'est normal que la tenue de Quiet s'appelle Naked. Elle s'appelle toute Naked par défaut, je crois. C'est pareil, il y a Naked pour Didi et, ou pour Snake. C'est pas pour autant qu'ils sont complètement à poil, quoi. Allez, ciao, bye bye, Johan. Salut Soso, hello. Alors après, ça parle d'Iron Man, ouais, sur la 6. Solaris a été déçu. Bon, j'en ai vu aucun, donc... C'est pas un film qui m'a vraiment attiré. Fais gaffe en bas, mais toujours, oui. Donc, alors attendez, un petit coup d'œil à la map quand même. Déjà, il y a des menaces sur la route. Bon, on trace. Ah, on voit directement la cible, à 400 mètres. What? Quoi? Attendez, j'ai vu un marqueur blanc sur la droite. Putain, ils ont carrément mis les enfants soldats, quoi. Mais non. Je trouve ça relativement ignoble, quand même. Ah, il vient! Dégage, le mioche! Putain. Bon, j'ai bien fait de mettre le sniper non létal à Quiet, hein. Il est hors de question que je bute des gamins. D'ailleurs, je sais même pas si c'est possible. J'ai pas envie de tester. Ouah, c'est spécial ça. Ah, Soso, pourquoi tu mates Quiet dans The Final Countdown? Parce que la musique vient d'elle et du coup, pendant les 4 minutes, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Bon, c'est écarté des gamins. Allez, go. But if you extract their commander, those kids will have no choice but to stand down. D'accord. Donc en théorie, on s'intéresse à lui et ça devrait résoudre le problème. If things get rough, neutralize them by knocking them out or by tranquilizing them. Oui, on va juste les endormir. Je pense que dès qu'on en bute un, de toute façon, c'est game over. Ce qui me paraît assez logique quand même. Alors... Ils auraient pas dû mettre les gosses dans le jeu. Ah bah, c'est fait exprès, je pense, pour marquer. Donc on entend Quiet qui chantonne. Tu live jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas, jusqu'à 23h à peu près, je pense. Ça dépend de ce qui se passe dans le jeu. Alors j'y vais mollo parce que je veux pas tomber sur les gamins, si possible. Mais le problème, c'est que je peux pas... Je sais pas si je peux en choper un juste pour lui poser une question... Ça me fait vraiment chier. Bon, déjà, on a mis le sniper non létal à Quiet. C'est déjà ça. Salut Solaris. Alors, il suffit de chercher le seul adulte. Et il doit être dans une baraque, non? Putain. Sérieux, quoi. Alors. Il n'y a pas une maison un peu plus... sophistiquée, entre guillemets? D'ici, je vois rien qui pourrait être son bureau ou je sais pas quoi. Oh là là. J'en sais rien. Et puis là, il va crever si je descends ici. Tellement qu'il est doué. Quiet, tu vois rien? Ah, il y a un truc qui brille. Du diamant. Ouais, du diamant. On aurait dû y aller de nuit là, j'ai mis dès que possible mais j'aurais dû mettre la nuit. En pleine journée c'est pas top. Hein. Donc là on est sur désert, on va rester sur désert. Oh putain, gamin de merde. Voilà, t'as rien vu. Pas pour lui faire du mal mais juste pour l'interroger et l'endormir.
Mais je trouve ça quand même relativement choquant. Vas-y, viens, gamin. Ah! Attends, quoi? Ils sont sérieux, le gamin, je peux pas le choper. Mais what? C'est de l'arnaque? Mais laissez-moi recommencer. Please? C'est quoi ce délire là? T'aurais pu me le dire avant? Putain. Donc on peut pas les choper pour les interroger, d'accord. Bon bah on recommence. Y'a combien de gamins ici? Quiet. Allez, tirons sur des gamins! Lolilol. Enemy presence detected. The map has been updated. Je sais pas s'il va s'endormir. Il a pas l'air d'avoir réagi. Ah, il y a des développements qui s'achèvent. Parfait. Bon. J'ai fait aucun repérage. Je crois que je vais appeler Didier. Putain. Ah, c'est bon, le gamin s'est endormi. Ça fait une menace de moins. Bras Sonic. Mais non, pas Quiet. 7 mètres. Quoi? Il y a un gamin juste à côté. J'entends une musique. Ah! Good night. Voilà, on leur fait pas de mal. On pique la cassette. C'était how? How about? Quoi? Je connais pas, The Zombie, j'ai pas bien lu. Hop. Allô enfant de la patrie. Je connais même pas les paroles au-delà de ça. Bon, pas de traces du commandant pour le moment. Sinon, il y a un mortier. Hein, pour les calmer, les gamins. Putain. 64 mètres. Ce qu'il y a, c'est qu'elle marque pas tout le monde, quoi. Elle en marque qu'un. Celui qu'elle vise. Regarde, il y en a deux devant moi, elle me l'a pas dit. Putain. Je suis pas là. Je sais même pas comment savoir où il est, le mec, hein. Sérieux, hein. Je crois que je vais appeler Didi, hein. Au moins, Didi, il m'aurait donné la position de tout le monde à 100 mètres à la ronde. Et j'aurais pu repérer l'adulte par rapport aux gamins, parce que les gamins, ça se voit, ils sont plus petits quand même. Hop. Ah, d'accord, voilà ce que ça fait de passer ses journées à jouer à Call of au lieu d'étudier. Hein? Vous allez tous finir comme ça. Est-ce que j'ai aimé la fin de DMC3? Pff, bof. Sans plus. Alors attendez, parce que là ils vont me faire chier, les gamins. Ils vont me faire chier. Mais je peux pas y aller bourrin. J'ai que 28 balles et le silencieux est limité. Je peux pas les buter, les gamins. Sinon ça recommence tout. Hein. Quiet, je veux bien l'épouser. Merci, Acide. Elle ne sait pas parler, hein. Je passe au courant. Ou en tout cas, elle a une langue bizarre. Pourquoi elle a arrêté de chanter? Quiet. Putain, on sait pas. Il y a un truc à 20 mètres, on sait pas ce que c'est. Ah! C'est la cible? Mince, j'ai pas la... Attends. Non, c'est là où elle va, merde. C'est là où va Quiet. Qui passe à côté de nous en mode fantôme invisible. Ok. Wouah! Gamin de merde. Hop, ni vu ni connu, les gamins. Salut. Ça m'énerve, j'ai aucun moyen de le localiser là. Putain. Y'a un truc à 20 mètres. What? Un oiseau sûrement, ouais, c'était un oiseau. Oh là là. 30 mètres.
Mais c'est chiant, ça capte les oiseaux, ça capte tout. Je vais me faire livrer Didi, hein, sérieux. Quiet, tu sers à rien, bordel. Didi. Didi. Viens à moi, Didi. Voilà, merci. Justement, elle fait pas chier avec des discours de 50 ans. Hashtag macho, ouais. Bon, on attend Didi. Ça facilitera grandement les choses. Parce que la courriette, elle est pas du tout adaptée à la mission. Didi, grouille-toi le cul. On va quand même se balader un peu. Mais il peut être n'importe où, ça m'énerve. Didi, coucou Soso, salut Angel. Allez. Voilà, Didi arrive en parachute. Didi. Bon, je peux pas te faire de câlin, je suis dans un carton. Tu m'excuseras. Didi. Didi. Où tu vas, Didi? Ah! Prisonnier repéré. Ennemi repéré. Putain, mais y'en a qui m'a vu, là. Alors, attendez, Didi repère tout, là, c'est parfait. Ah, y'a quelqu'un qui dort. Est-ce que ce serait pas l'adulte qui se repose? Enfin, le commandant. Ah non, y'en a plusieurs, même, ok. Ah, il vient de se réveiller. Je vois pas de silhouette adulte. Je peux le tuer, mais c'est tout. Didi peut pas encore les étourdir. Ah, puis ils ont bien mis des gamins partout. Je ne suis qu'un carton. Putain de gamin, mais dégage. Oh, mais chute. J'ouvre la bouche. D'accord. Gamin de merde, tu t'endors. Merci. Est-ce qu'il y a une silhouette adulte dans l'eau? Là, j'en vois pas. Putain, je sais pas. Je suis en train de sortir de la zone. Je pense que je suis en train d'aller trop loin. Il y a mon Didi. On va faire demi-tour. Ah, un carton qui bouge tout seul. Bah oui. C'est le swag de Metal Gear. Il y a que des gamins qui se baladent. Putain. Gamin de merde, salut Soso. Soso tue des enfants, non. Je les tue pas, je les endors. Si tu les tues, c'est game over, hein, direct. T'inquiète pas. T'as pas vu le début où je disais limite que ça me choque. Mais le but, c'est justement d'enlever le dictateur, entre... en gros, oui. Qui les oblige à faire ça. Pour essayer de régler la situation. Damien est là. What? Hello. Ça faisait longtemps. Bon, le gamin, il s'en bat la race. Il ne devrait pas tarder à s'endormir. Donc on va tourner un peu. En plus, on a déjà visité cette zone. C'était pour extraire un interprète, je crois. Est-ce qu'il serait pas là-haut dans le bateau? Putain, j'en sais rien. Je vois pas la silhouette de la personne qui est dans le bateau. Je vois pas si c'est un adulte. Je fais suer. Ah, je fais que sortir. Tous les soirs, ok. Oui, puis ça fait presque 2 semaines qu'on t'a pas vu là. T'étais passé vite fait pendant un live pour dire que t'avais. T'étais en train de dessouler en gros. Et après, on t'a pas revu. Je vois toujours pas la silhouette de celui qui est là-haut, je pense que c'est lui. Oh putain, le gamin s'est retourné. Et ils sont deux, non. Wouah. Ne vous alignez pas. Ne vous alignez pas. Ne vous rentrez pas non plus les uns dans les autres. Tu peux pas... faire diversion. Allez, bougez votre cul. Salut.
Je veux pas le choper. Je veux juste le headshot avec le tranquillisant. Non, il s'est pas endormi. Non, ça va me faire perdre des points. Il s'endort pas, mais what? Ah d'accord. Il s'endort 40 ans après. Je peux les extraire? Même pas. What the fuck? Je peux pas les emmener. On n'a pas le droit de recruter des gamins. C'est triste. Wouah. Soso, t'as déjà fait FF13 sur PS3? Oui. C'était avant que je fasse mes vidéos. J'ai fait que le Lightning Returns en vidéo. Qui était donc... le troisième prisonnier repéré. Putain, ils ont un prisonnier. Ils me l'ont dit tout à l'heure, mais je l'avais pas vu. On ira le récupérer à la fin si on a le temps. Et si la mission part pas complètement en cacahuète. On a toujours pas la forme de la personne qui est à 6 mètres. C'est bizarre. Fais les voler. Mais non. Sorator, tu vas bien, oui. Je ne suis pas un tueur d'enfants. Je les tranquillise. Pedina ange yandi, yine yabo ke bangaka, nyoke yampembe. Ah mais c'est un gamin aussi. Kimomosa ke somomononde. Ya zini bibuti pusakangeve. Quoi, mais ils sont sérieux? Mais please! Mais je veux pas me battre contre un gamin! À la machette en plus! Voilà, j'esquive en faisant des chutes. Ah! Il m'agresse! Putain de gamin de merde! Mais je suis coincé dans le décor, il est où? Sans me faire découper. Ah! Il appelle ses copains! Putain, j'aurais mieux fait de lui foncer dans le lard. Il est où? Attends, allez au-dessus. Ok, alors on me demande si je peux me permettre de regarder le chat en jouant à ce jeu. Bah pas en permanence en effet. Salut Fiasco. Est-ce que je peux te tabasser, gamin? Mais tabasse-le! Gamin! Putain, on se fait latter par un gamin quoi. Mais please! Puis le système de combat au corps à corps est vraiment merdique. D'accord. Trois coups par un gamin et il meurt. Et j'étais en train de faire un plongeon, donc c'est génial. Encore un boss de qualité. Je sais pas comment le prendre le boss là, ça m'agace. Mais dors! Comment j'esquive? Putain! Voilà, salut. Le combat au corps à corps est vraiment merdique dans ce jeu. C'est encore pire que du Uncharted. Mais lâche-moi, le gamin! Au secours! Je vais me faire harceler par un gamin. Et merde. Oh putain! Quelle est la technique pour ce boss? Salut tout le monde. Plaquage, mais il n'y a rien qui marche. Tu fais du Lifecraft. Non, merci. Ouh, enfant maltraité, bah oui. Je ne peux pas le tuer. Parce que quand je vais directement corps à corps. D'accord, je lui fous des pains. Mais c'est injouable. Le truc, c'est un macaque qui fait du cirque, là. Mais... D'accord, on va plutôt le mitrailler comme ça, au corps à corps. D'accord. J'avais pas osé bourriner parce que ça passait pas quand j'avais testé. J'aurais peut-être dû... continuer. D'accord, en fait, il suffit de le bourriner. Et puis depuis quand un gamin c'est aussi résistant? Le mec il s'est pris plein de tranquillisants et ça lui a rien fait tout à l'heure. Gamin de merde. Tu vas me faire rager. Tiens, bouffe. Aïe. Mais...
C'est vraiment un macaque en fait. On est d'accord. Il est où? Ah! T'es où, gamin? Arrête de fuir. Je viens de faire latter la tronche par un vieux. D'accord, merci beaucoup. Putain. Il est en bas. Wouah! Tiens! Mais dors! Mais jamais tu t'endors! Il me gave! Il se prend des tranquillisants, il s'en bat la race. Et les autres me tirent dessus. Voilà, tiens, mange toi ça. Ok, on a dévié. Putain, il est toujours debout! Mais please! Oh là là! Mais! Il est plus résistant qu'un Free Fighter, mais n'importe quoi. Bon. Ce gamin me gave. Ah! Il passe au cocktail Molotov, mais. Ah, c'est bon. Le combat de qualité, quoi. Mais c'était quoi ce boss de merde? Alors faut l'extraire, mais ils ont un prisonnier. J'aurais bien aimé l'embarquer. Et là ça va être compliqué avec les mioches qui restent là. Alors, attendez, on va descendre proprement quand même, si possible. Je sais plus s'il y avait un escalier ici. Si, il y a un ponton. Alors attendez. Là j'aurais peut-être dû appeler D. Horse. Parce qu'il y avait un prisonnier. Didi, t'es où? Prisonnier repéré. À 60 mètres. Putain, mais le temps qu'il arrive, oh là là. On va marquer le prisonnier et faire un aller-retour si possible. Je pense que ça va être mort. Surtout que l'hélicoptère est en plein milieu, d'accord. Bon, tant pis pour le prisonnier. Alerte pédophile, mais non. Je tape juste sur des gamins, c'est pas la même chose. Alors. Non, ça finit la mission. Bon. Bon, il prend déjà ses aises, le ptio, là. Encore une vie sauvée de la délinquance. Bravo, Sorator. Ouais. Non, mais là... c'est n'importe quoi. On n'a jamais vu ça. D. Bouh. Non, mais c'était une mission de crotte. Mon dieu, j'ai pas géré du tout. Faire des lives sur Level Down. Quoi? J'ai demandé, j'ai pas eu de réponse. Donc je pense que c'est mort.
Je pense que j'ai pas une assez grosse communauté à ramener pour que ça les intéresse. Alors après ça parle de bonbons. Les Jelly Belly. Je vois pas ce que c'est. Comme produit exactement. Et du coup, bah tant pis pour le prisonnier, je ne sais pas s'il était important. Il avait peut-être une capacité spéciale intéressante. Soldier, you got that. Anyone here can use a knife or a gun. What you're gonna learn is how to use your head. Let's move. Get that under your belt, then you're free to leave. Ouais. Un petit bâtard, ouais. Je crois que... Il va bien nous faire chier. Ok, on a fumé notre cigare. Bah du coup on a fait saigner personne, on n'a pas besoin de se doucher, quoi que bon, ça fera pas de mal au pire. En fait non, même pas, allez, on se barre direct. On va enchaîner rapidement sur une mission secondaire, histoire de progresser un peu là-dessus aussi, rendez-vous. Hop. Donc normalement Quiet a son nouveau costume. Et nous on a des nouvelles armes également. Mais d'accord, ça on savait, merci. Hop. Et puis j'adore comment il lui a déboîté le bras. Oh. Il maltraite les gamins. Mais je crois qu'il le mérite là. Je pense qu'il va foutre la merde le blond. Mon dieu. Alors on me demandait non pas de Minecraft aujourd'hui. Avec quoi je filme? Elgato, Game Capture AG60. Ah mais apparemment il a des problèmes de lecture, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le live? Soso, pseudo PS4, Sorator. Mais je n'accepte plus les demandes d'amis. J'invite plutôt les gens à rejoindre la communauté que j'ai créée, qui est accessible via mon profil PSN sur PS4. Oh là là. Quoi?